arrivés dans notre nouvelle destination. Donc on a pris un minibus depuis Siem Reap jusqu'à Pattambang. Ça a pris 3 heures, on a payé 10$ par personne. C'est le milieu d'après-midi maintenant, on est en chemin pour aller à notre hôtel. Pour une fois, on ne nous a pas déposé trop loin, donc on a juste 6 minutes de marche. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà, je pense qu'on ira ensuite faire un petit tour au marché pour manger un petit truc, déposer la lessive. Et sinon, rien de spécial de prévu aujourd'hui, on va se poser. Je suis un peu fatiguée là de ces derniers jours à Siem Reap, où on n'a pas arrêté clairement. Donc aujourd'hui et demain, ça va être chill. Tournons. Et donc voici l'extérieur de notre nouvelle maison, donc pour 3 nuits. Et là, notre petit bungalow. Hop. Donc juste ici, on a la chambre. Donc là, c'est un peu plus kitsch, je trouve, hein, quand même. Une petite banquette. On paye 28,90€ avec le petit déjeuner. Un grand frigo, un petit espace pour s'installer. C'est quand même assez grand, hein. La salle de bain est aussi très très grande, une grande baignoire juste ici, voilà. C'est très lumineux, avec les deux fenêtres là. Bon, ça fait l'affaire. Oh non non non. Harkoun. Bon, on a pris ce que vous venez de voir là, un stand, ça nous a coûté 1$. Je pense que ça ressemble un peu au beignet qu'on a mangé dans la dernière vidéo à Siem Reap, on va voir. Plus de choses à l'intérieur. C'est tout. Non, du coup, c'est pas des pousses de soja. C'est quoi? Je sais pas. Là, c'est des pousses de soja. C'est un goût de soja de ouf. Hein. Il y a cette herbe, oh là là, cette herbe verte là qu'on trouve souvent au Cambodge, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça c'est pareil, je vous l'ai déjà montré, mais en snack là, comme ça à 15-16h ce sera parfait. Donc c'est le mix avec du pain, du crabe, du maïs, du poulet séché et de la sauce piquante et une sauce blanche. Donc ça n'a pas l'air appétissant comme ça, mais moi je trouve ça trop bon, je trouve tout se marie trop bien ensemble. Donc voilà. Never be the same. All eyes on me, better show the way, huh? Straight, straight, come on, come on, don't you food panda.
au premier point de cette journée. Donc là, on est à 15 km au sud de Battambang. La ville en Battambang en elle-même, elle n'a pas d'intérêt particulier. On s'est juste arrêté à un petit temple là avant de prendre la route dans la ville. Bon, il était sympathique, mais rien d'extraordinaire non plus. Donc là, on est sur un ensemble de temples qui est sur une colline. Donc on a payé 2$ pour monter jusqu'ici. Vous avez en fait plusieurs petites pagodes vraiment sur les hauteurs, avec la vue sur la campagne aux alentours. Franchement, c'est super joli. Pour vous faire un petit retour honnête, c'est la première fois qu'on n'est pas bien, entre guillemets, dans une ville au Cambodge et qu'on a une mauvaise expérience, toujours entre guillemets, parce qu'on n'a rien eu de grave, mais honnêtement, Battambang, la ville en elle-même, on n'a pas du tout aimé. On a trouvé que les gens étaient pas du tout comme ce qu'on a vu dans tout le reste du Cambodge. On les a trouvés plutôt froids, pas très accueillants, que ce soit dans notre hôtel ou sur les marchés. Pour revenir au marché, on y est allé hier, on voulait juste se prendre une grappe de banane classique. On en prend souvent hein, sur les marchés, donc on connaît le prix. Et là, la dame m'a dit 3 fois plus que le prix normal, donc évidemment je ne les ai pas prises. Et on est allé à un autre stand dans ce même marché. Je ressentais pas les gens comme d'habitude, ils avaient le visage très fermé, pas du tout aimable. Alors que le Cambodge, d'habitude, surtout sur les marchés, c'est l'opposé. Les gens sont hyper souriants, accueillants, très heureux de voir des touristes. Bon, peut-être aussi parce qu'on était dans des coins moins touristiques au début et que là, Battambang, c'est la campagne, mais ça reste quand même un peu touristique vu que c'est situé pile entre Siem Reap et la capitale. Beaucoup de touristes s'arrêtent ici pour voir la campagne cambodgienne. L'autre stand, c'est la même chose. Elle m'a dit exactement le même prix qu'au premier stand. Donc écoutez, non, je vais pas payer plus d'1€ pour une petite grappe de banane. Donc autant vous dire que c'est les mêmes prix qu'en France. D'habitude on la paye 50 centimes, voire moins cher dans certains marchés. On n'a pas eu un bon feeling avec la ville. Après voilà, ça arrive même dans les pays qu'on a détestés ou les pays qu'on a adorés. Il y a toujours certains endroits où on a des mauvais feelings. On espère que la journée d'aujourd'hui va relever un peu le niveau. Mais déjà avec ce premier stop, c'est en bonne voie. Donc là on est toujours dans le même endroit, on est juste descendu une cinquantaine de mètres et là on est à une grotte qui s'appelle Killing's Cave, donc la grotte des tueurs. Donc vous avez, je vais vous montrer après, des scènes de torture, ouais, juste là. Et la grotte se trouve ici. Une pince. Ah, il coupe la langue. Oui. Ah. Ah, super.
Madame. Madame Chaton. Du coup, je vous retrouve pour une petite dégustation. On est repassé dans un shop, dans un magasin, en français c'est mieux, où ils vendaient des petites sucreries. On en a déjà testé hier. C'est quoi que j'ai pris hier? C'est celle-là. Ah! C'est les miennes. Mais non, j'en ai pris pour moi. J'en ai pris qu'un. C'est celui-là. Ça ressemble à un rocher coco. Oui, ça ressemble à un rocher coco avec de la noix de coco dedans. C'est un rocher coco quoi. Donc c'est comme ça. Ça, ça coûte 250 riels. Bon, je vais pas le goûter là, celui-ci, mais c'est vraiment excellent. Trop trop bon. Et il y a deux autres versions. C'est lui avec les graines de sésame, mais avec la dorure. On va y arriver, ça n'a aucun sens cette dégustation. Tu es en train de faire pour moi la caméra. Merci. Ah, c'est moins bon. On sait bon quand même, hein, mais... Je l'avais cool. C'est de la pâte d'amande, je pense. On dirait la même chose que... Oui, parce que hier, j'avais aussi pris celui-là. C'est avec de l'amande à l'intérieur. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais c'est de la pâte feuilletée qui est tout autour. T'aimes pas? Non. Je le mange du coup. Oui. Après, il y a celui-ci. Ah, il sera un autre coco, lui. Alors, j'avais raison. Oh! J'ai dit que les autres, ils étaient dégueulasses. C'est pas bon. Écoute, c'est pas bon. Ok, bon bah, il y aura que le rocher coco qui sera au-dessus des autres, hein, clairement. Ouh. Vous voyez pas la tête de mon monsieur, mais c'est trop drôle. On dirait de la coupure d'échalote, c'est... Vous voyez, lui, il est tout feuilleté. Et ça a un goût d'amande comme la première petite boule. C'est trop bon. Dans le Vogue de Cratier, je vous avais dit que je vous montrerais le tatouage de monsieur et ça m'est sorti de la tête, donc le voici. Et donc, vous allez être choqués au niveau du prix parce que ça nous a coûté 50 euros. En France, c'est 500 euros, voire plus. Et pour la finesse du truc, les détails, bon, je pense pas que vous allez trop vous rendre compte à la caméra, mais il est vraiment super bien fait. Et il a fait un autre, qui est celui-ci, donc de l'autre côté. Et pareil, ça nous a coûté 50 euros. Donc très très joli également. Franchement, les artistes au Cambodge, que ce soit sur le mien ou les tatouages de monsieur, sont vraiment bons. Donc voilà. Et donc pour conclure sur Battambang, pour nous clairement c'est pas un indispensable de venir ici. Donc la campagne est très très jolie hein, par contre ceci dit. Le temple qu'on a fait également ce matin avec l'ensemble des pagodes était vraiment beau. Mais à part ça, rien d'extraordinaire. Le temple de Banane, bon ça va. Vous avez fait les temples d'encore avant, rien de fou. C'est vraiment pas indispensable de s'arrêter ici, surtout vu qu'on n'a eu pas une super expérience avec la population. Enfin, rien de dramatique. Hein. Clairement, pour moi, ça vaut beaucoup plus le coup, si vous voulez aller dans la campagne cambodgienne, d'aller du côté de Kratier, Kampong Cham. Là, nous, on part donc demain. On fait un stop à la capitale juste pour une nuit. Et ensuite, on part vers notre dernière destination pour ce périple au Cambodge. Moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.